Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bienvenue dans mon appareil A320 Royal Ergoxio. Aujourd'hui, on va tenter de décoller et d'atterrir à Casablanca en partant de Nantes avec un avion avec plus de 78 tonnes au décollage et plus de 150 passagers dans l'avion. Je vous souhaite un très bon voyage et on se retrouve après la transition. Donc voilà les gars, du coup, comme vous avez pu le voir, c'était une petite mise en scène pas du tout marrante, mais bon. Mais du coup, voilà, on se retrouve pas bien sûr dans un vrai avion, bien sûr dans le jeu Flight Simulator. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une simulation réelle des avions, c'est super. Et sans plus tarder, on y va quoi, directement. Donc je mets le casque, sinon je vais pas entendre, et on va choisir directement où on va aller. Donc comme je vous ai dit dans l'intro, dans la mise en scène, on part de Nantes. Du coup, on part du bout de la piste. Je vais pas vous embêter à mettre direct, vous savez, on part de notre endroit précis et ensuite on va jusqu'à la piste. On part direct de la piste et on y va. On va pas se compliquer la tâche non plus pour corser le truc. Et voilà, on va atterrir à Mohamed V à Casablanca au Maroc. Donc voilà, je mets démarrer le vol bien sûr avec l'avion Royal Air Maroc. C'est clairement incroyable. Et on y va directement. Donc voilà, on se retrouve directement avec l'avion. Comme vous pouvez voir, il est magnifique. Il est juste là. On va super bien. J'espère qu'on va bien décoller. On peut enlever les lunettes parce qu'il n'a pas l'air de faire trop de soleil. Ouais, c'est même le coucher du soleil, je crois. Mais on y va directement. J'espère que le vol va bien se passer. Et voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, où il y a ma souris, là c'est le jour en direct et le temps en direct. Donc ça, c'est incroyable aussi sur le jeu. Mais là, on n'en a pas besoin parce qu'on va pas changer ça. On va juste avoir besoin de la carte VFF pour la carte VFR pour se diriger du coup vers Casablanca. On a aussi où on peut voir le cockpit. Donc voilà, là c'est où je suis, moi où je conduis là. D'ailleurs, je vous ai pas montré, mais vous avez juste à. Voilà, je vais vous montrer là. J'ai mon commandant de bord tout ici là pour décoller tout ça. Donc c'est beaucoup plus pratique, c'est pas avec la manette. Donc ça va être incroyable. Donc vous avez aussi la vue, vous avez aussi une vue externe comme ça, et vous avez aussi une vue de vous, la communauté, vous êtes du coup des passagers, voilà, c'est incroyable, là vous avez la vue passagère. Donc voilà, je vous ai montré à peu près toutes les vues, on va les garder en mémoire. Et comme ça, en même temps du décollage, je pourrai vous montrer plusieurs vues en même temps. Donc là, c'est parti. Je désactive du coup le frein de parking, comme vous voyez ici, là. Il est sur on et on va l'enlever. Voilà, je l'ai fait avec ma touche de mon truc. Et on va commencer à accélérer et je vais prendre la main. Bon, ça bug un peu. Mon PC, il a pas une RTX 3060. Voilà. C'est parti, là on fait les premiers mètres en 50% et ensuite on accélère à fond. Voilà. C'est parti, là je tire sur le manche. On enlève les roues. Voilà. Bon, ça bug un peu, je suis désolé pour ça. C'est parce que je recorde avec la carte graphique et en même temps je joue donc. Pas facile. Moi je pense pas que ça bugrait autant, mais du coup c'est comme ça, hein. C'est avec la carte graphique, elle peut pas tout faire en même temps. Donc désolé pour ce désagrément là, c'est un peu embêtant. Bon je pense clairement que les passagers là derrière ils sont en train de vomir. Là c'est horrible ma conduite, mon pilotage. Et je suis plus du tout sur la carte, faut que je m'en remette. Pas sur la ligne plutôt du moins. Oh je suis en rouge, oh là je vais tomber. Je vais tomber. Ah, ils vont vomir.
Bon, maintenant que j'ai décollé, en fait j'ai juste à faire la croisière, donc voler tranquillement comme je suis. Bon là je tourne un peu, mais juste à voler tranquillement comme j'étais, pas comme je suis même. Voilà, et ça pendant 2 heures. La durée de voyage elle est 2 heures. La vidéo elle va pas durer très longtemps je pense, parce que là vous voyez comment ça bug, c'est un peu désolant, mais bon c'est comme ça. Mais voilà, et du coup là on est réellement parti. Voilà, on voit en bas les habitations et on va atterrir directement à Casablanca. Donc voilà. Bon voilà, là c'est un peu mieux. Là du coup je vais atterrir à Casablanca, faut que je baisse un peu ma vitesse. Et on va baisser les flaps en fait, c'est ce qui va nous aider à descendre. Donc ça va nous faire descendre progressivement, petit à petit. Et là vous allez le voir descendre tout de suite là, regardez, je vous mets vitrine. Voilà, c'est ça qui descend juste ici. C'est les flaps, ça va nous aider un peu à descendre petit à petit en baissant bien sûr la vitesse. Et du coup on va atterrir, ce qui signifie qu'on va sortir les roues. Hop, voilà, vous voyez juste ici. Et voilà. Donc maintenant vous voyez aussi sur la carte que je vais devoir tourner parce que c'est derrière moi. Donc hop, je dévie ma trajectoire. Je suis vraiment pas le meilleur pilote, mais bon. On refera une vidéo d'ici un an pour voir si je conduis mieux. Parce que je m'entraîne souvent aussi sur ce jeu là parce qu'il est vraiment pas mal. Hein. Ça c'est sûr que j'aime bien ce jeu. On va zoomer pour voir. On va continuer tout droit pendant un moment là. Hop, comme ça. Ouais. Faut que j'augmente ma vitesse un peu. Et du coup, je vous explique ça, les arrêts aux freins, faudra les mettre quand on atterrit sur la piste pour que ça freine. Et on mettra aussi le reverse, que je vous montre ici. Ça c'est le reverse, ce qu'il y a ici, ce qui vous permet en plus de freiner énormément. On va devoir bientôt dévier, non ça va, parce que nous on est là et l'aéroport il est là. Et on va devoir atterrir là, donc notre trajectoire elle va devoir faire hop comme ça. Donc voilà, j'ai commencé à m'entraîner parce que c'est un truc que j'aime quand même depuis tout petit. Donc, mais ce jeu, ouais, il est super, c'est sûr. Et puis même, regardez la beauté du jeu. Ça, c'est incroyable. Regarde, même quand je zoome, c'est fou. Regardez, je peux remonter les flaps. Vous avez vu, ça remonte tout doucement. Mais je vais les laisser baisser parce que sinon... Et voilà, on voit juste l'aéroport ici. Vous pouvez retourner en arrière, vous le verrez. Donc moi je vais devoir bien tourner mon avion comme ici, parce que la piste est là. Ah ouais, je vais devoir même bien tourner parce que... Hop, et là je remonte. On va pouvoir se mettre en vue cockpit. Voilà, on va descendre petit à petit, mon aptitude elle est juste là, vous pouvez la voir descendre au fil du temps. D'ailleurs je devrais baisser ma vitesse. Voilà, c'est pour vous montrer que tous les passagers vont vomir, clairement, là, dans la seconde qui va suivre. Non, là, c'est trop. Oh non, là, j'abuse. Oh non. Bon, allez, voilà. Oh non, là, ils vont vomir. Hop, on va descendre d'un coup, je suis désolé des passagers. Ah. Attends, là, c'est quoi ça? Bon, là, c'est vraiment un atterrissage d'urgence. Hein. C'est pas un atterrissage simple, là. Là, je vous le dis, oh non. Je suis à 180, c'est n'importe quoi. Allez, on va devoir faire un atterrissage forcé là, ça c'est clair et net. Hop, et là je vous montre en même temps, je contrôle tout mon joystick en même temps que vous voyez là, vous voyez. Hop, je baisse, je descends. Ouah, non. Oh, ça va être horrible. Excusez-moi du désagrément, mesdames, messieurs. Bon, là, c'est plus Royal Air Maroc, là, c'est Royal Air Pourri. Excusez-moi du désagrément, mesdames et messieurs, j'espère que vous n'avez pas les côtes cassées. Hop, on va freiner. Hop. Ah. Oh là 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 là. Heureusement que c'est pas vrai, hein, parce que là. Oh, oh là 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 là, c'est trop grave. Oh, regardez, il y a même. Oh là là, mais c'est quoi cette compagnie? Il y a même mon truc là qui s'est décollé, je sais pas si vous voyez, non c'est trop grave. Ah là, ça me fait trop rire. Mais il est incroyable ce jeu, hein. C'est vraiment... Voilà, et vous avez vu, les aérofreins que je vous ai dit, c'est ça. C'est les petits trucs que vous voyez sur les côtés.
Et en fait, ça permet de freiner aussi. Je vais essayer de les remettre comme ça, vous verrez en même temps. Voilà. En fait, tout est contrôlable, c'est ça qui est incroyable. Voilà, ça s'est remis. Donc voilà, c'était pour vous montrer. Maintenant, on va devoir tourner. Regardez comment c'est magnifique. C'est trop beau. Bon, voilà les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si l'atterrissage c'était le pire au monde. Mais voilà, moi ça m'a plu. J'espère pouvoir vous refaire des vidéos dessus, ce serait cool. Mais voilà, d'ailleurs, attendez, bah, je vais vous remontrer normalement qu'en fait, dès que t'atterris, voilà, il remonte comme ça les flaps. Voilà, il les remonte petit à petit. Et voilà, vous entendez les gens discuter, écouter. Vas-y, c'est trop. Non mais voilà, c'est vraiment un jeu super. D'ailleurs, dites-moi ceux qui ont le jeu dans les commentaires. Parce que je voudrais créer un Discord aussi sur ça. En fait, j'aimerais bien créer un Discord où il y a plein de jeux que j'utilise et qu'on fasse tout ce qu'on discute entre nous et tout ça. Ce serait vraiment sympa. Et donc, voilà. Donc l'aéroport, il est juste là-bas. J'ai juste à me diriger là-bas. Et on est bon. Bon bah voilà, je mets le frein et je me suis très bien mis devant la porte. Ils ont juste à la rapprocher. Et normalement, ce qu'on fait, j'ai un peu appris ça. Là, j'éteins les moteurs ici. Voilà, et vous entendez, tout s'éteint. Et voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Ça me fait rire là parce qu'il y a mon truc qui s'est décollé. La compagnie, elle était nulle, nulle. Parce que j'ai atterri comme un cassos. Clairement. Mais non, ça me plaît vraiment le jeu là. Bon, je vous avoue que ça buguait un peu, je suis vraiment désolé au début. Mais voilà, moi j'ai trouvé ça incroyable. Je vais jouer souvent avec mon joystick, là c'est vraiment bien. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu la vidéo. J'espère que vous avez kiffé. Et moi, je vous souhaite plus qu'une chose, une bonne soirée, une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. I'm hoping not achieving, now I'm chasing these feelings, cause I know they're always leaving. Now I'm running and seeing as they all just gain on me, and now it's right in front of me. I'm hoping that I take the lead.